puisque Cédric a obtenu son sixième titre lors d'un tournoi national, et que notre ami Peter Kölmans, donc le joueur numéro 1 de l'équipe, est devenu, lui, champion de Belgique. Un petit présent. Alors, je ne sais pas s'il va... C'est un coffret de bière belge. Hein. Oh. Peter, tu feras attention hein, si tu les mets dans le vestiaire là-bas, parce que je crois qu'il y a... Il y a Jeff et Roland qui risquent d'être intéressés. Ah, le premier dauphin est intéressé. À tout de suite. Alors Roland, je me rappelle qu'il y a quelques années, tu m'avais donné le podium des meilleurs bières du monde. Il y a de la Chimay bleue et de la triple carmélite. Oui, je les connais, ceux-là. Merci. Donc alors, vous l'avez compris, on reçoit aujourd'hui l'équipe d'Andernos. Il y a nos amis d'Andernos, et c'est vraiment, je pense que dans le championnat, c'est vraiment l'équipe avec laquelle on a les meilleures relations. Bernard Baudouin, malheureusement, leur président n'est pas là, parce que l'autre équipe d'Andernos reçoit au Gravelines dans l'autre groupe aujourd'hui. C'est dommage de ne pas pouvoir accueillir Bernard à l'occasion. Mais on va donc commencer toutes affaires cessantes, parce que oui, il est 16h30, donc l'heure des matchs va pouvoir démarrer. Donc il y aura sur le billard numéro 1. Thierry Roxo, pour le rétro albertain. C'est le 13e du classement français qui sera opposé à Jérôme Barbeillon. Je crois que c'est toujours la même chose. Jérôme qui a disputé la semaine dernière la finale du tournoi de Romans-sur-Isère. Il a compris, j'ai rendu la mèche, une finale qu'il a disputée contre Cédric Melichenko. Il a 400 de moyenne, son 6e tournoi national. Il lui jouera contre quelqu'un qui, comme je l'ai vécu sur les réseaux sociaux, qui maintenant est un peu pris par ses obligations professionnelles, qui ne peut plus disputer les tournois nationaux comme il l'entend. Tant mieux pour les autres, quelque part. Mais par contre, il dispute les épreuves de Coupe du Monde. Je n'ai pas le classement en tête. J'ai marqué que c'était la 24e place du ranking Evans. Peut-être, donc, ça n'est pas contrariant, c'est bien. Et je pense que pour un jeune garçon de son âge et qui est non professionnel, je crois que c'est un exploit qui mérite d'être souligné. Bravo. Voilà. Bravo. Un des premiers joueurs en avance, le junior, au deux jeunes, c'est pas un secret. Il a 25 ans, il a 26 ans maintenant, qu'il peut plus que discuter. Ouais, il est bien très bien. Allez, voilà. Mesdames et messieurs, mon président veut dire quelque chose. Juste un petit mot. Donc déjà, remercier les joueurs d'être présents et on va avoir un beau match aujourd'hui. Saluer également le coach de notre équipe, Valérie Calins, qui s'occupe de l'équipe depuis des années. Et puis saluer aussi la présence de Claude Piquet, oui, l'ancien maire d'Avers, qui a toujours soutenu le club tant qu'il était maire. Je sais que le nouveau maire, je pense qu'il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là aussi, mais je vais le saluer et le remercier pour toutes ces années passées à nos côtés. Voilà. Je vous dis, on n'a pas entendu, donc il y a un des gardiens, enfin, qui est, comme à chaque rencontre, l'adjoint au sport, qui est présent avec nous. Écoutez, maintenant qu'Éric Huchin, qui est marqueur officiel, est arrivé, voilà, on va pouvoir...